Hey, cucu mes petits culs, et bienvenue pour un petit challenge construction que j'ai envie de faire au milieu de Willenburg. Willenburg, alors profitez-en, hein. Voilà, vous l'avez sûrement vu dans le titre. Ah, ça c'est mon joli manoir. Ça c'est ma maison une couleur. Et bien ici, ce sera la maison inversée. Alors ce ne sera pas juste une maison inversée, c'est qu'en fait je vais inverser mon écran. Tout simplement, et essayer de construire une petite maison avec l'écran inversé. Ça risque de vous donner pas mal le tournis, et à moi aussi, donc je m'en excuse. Si on n'y arrive pas à la fin, et si on fait un petit vomito, et ben c'est pas grave. On dira que c'était pour le jeu. Allez, je vais inverser mon écran. Right now. Ok. Ben, c'est horrible. J'ai tout de renversé. Bah, de toute façon, vous pouvez le voir, votre écran ne dysfonctionne pas. Votre téléphone non plus. Alors peut-être que sur téléphone, vous pouvez inverser dans le sens et vous allez voir dans le vrai sens. Mais moi, là, j'ai non seulement la vision inversée, mais j'ai la souris. C'est-à-dire que là, ben, je vais pas du tout dans le bon sens. C'est horrible. Je sais pas du tout comment je vais faire, mais... Ah, je pense que ça va être une maison. Très simple. Et hop. Ah, je voyais, ça a la vie dure, les... Comment dire, les habitudes... Oh, oh, rien que ça, c'est... Oh, punaise, c'est compliqué. Alors, où est-ce que je vais faire ma maison? Alors, par contre, quand je suis comme ça, je suis bien, c'est-à-dire que ça me perturbe pas trop. Parce que je vois d'au-dessus, et quand je construis beaucoup en voyant du dessus, en fait... Donc ça me perturbe pas trop. Ah, c'est juste parce que la souris ne va pas du tout dans le même sens que d'habitude. Donc c'est ça qui est perturbant. Je vais faire une petite maisonnée. Ah, vraiment, on va franchement pas se casser les pieds. Hein, je vous le dis tout de suite. Oui, comme ça. Ah, oh, ah. Et on va faire... Comme ça, c'est très bien. Je vais juste rajouter un mur pour faire. Est-ce que j'ai bien cliqué? Oui. Oh la vache. Oh non, c'est... Oh, oh mon dieu. Oh bon sang. Ah, ah. Non. 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 Échappe. Oh, la souris, où est-elle? Oh my god. Ah, puis j'ai oublié de mettre le bébé mouche object. Ah, alors là, je vais par là. Bon, là ce sera la salle tour avec les toilettes. Et je vais peut-être rajouter... Alors c'est bien, c'est... Je trouve encore que j'arrive à... Attendez, parce que là je vais... Oui. Non, j'arrive encore à maîtriser quand je vois de haut, mais... Voilà quoi. Ouf, ah. Ouh, ah. C'est où la... Ah oui, c'est là. Non. C'est où? Ah, c'est là la flèche. Oh la vache. Oh, ah, je vous jure. C'est compliqué. On va passer au toit. Je sais pas ce qui m'a pris comme idée de faire ce challenge, mais c'est rigolo. J'ai envie de faire un petit toit. Un toit. Attendez, je suis dans le bon sens là. Non, comme ça. Un toit et avec une partie. Oh. Une partie toit fenêtre avec verrière pour la chambre. Ah, oui, ok, non, oui, non, ah, c'est, oh, c'est où, pardon, hé, hey, viens ici, c'est toi que je veux te, non, chut, toi, hop, oh, oui, on va copier, ah, oh, là, que je recopie encore pour le mettre ici, vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle fout, fabrique. Ça, je vais le réduire. Tac, tac. Ouais, j'avais dit que j'allais faire un truc simple et puis me voilà à faire un truc complicado. Muy complicado. Yo sono. Je ne sais pas parler espagnolo. Eh oh. Ouais, ça va être... Je sais pas pourquoi je me complique la vie comme ça. Pourquoi je me complique la vie? Pourquoi, je vous le demande? Je sais pas. J'ai toujours un truc avec mes constructions, moi, quand j'enregistre... mes constructions de base, elles sont pas reloues, elles sont assez basiques, mais alors quand je me dis tiens, je vais faire ça pour la chaîne, ça part en cacahuète. Oh. Ouais. Ok. On va faire ça comme ça.
Toi, on va te réduire, toi aussi. Bon, ça va encore. Non, lui, toi. Toi, t'es trop grand, je crois. Ouais, il faut te réduire. Non, Yann. Il faut te réduire. Ok. L'autre côté. Ça. Non, c'est par là. On va le tourner. Oui, comme ça. Là. Oui. Oh, là. Oh. Oh, et si je faisais la même chose? La meuf qui se complique pas du tout la vie. Et ouais, alors tu vas copier juste ça et tu vas le mettre là. Oh mon Dieu, mais quel temps je prends pour juste poser un toit. C'est là qu'on se rend compte que aller dans tout droit tout le temps, c'est enfin à l'endroit et c'est facile. Alors, voyez, je peux encore agrandir de un carreau. Si j'y arrive. Oh mon Dieu, c'est dire bouger. Ah, j'ai pas envie de bouger, j'étais bien comme ça, moi. Hein hop, comme ça. Vous, vous allez ici, comme ça. Je vais te copier. Tac. Tac. Comme ça. Voilà. Et je vais te. Ah non, c'est pas ça. Je voulais faire madame. Non. Là. Là. Oh. Mais non, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Mais oui, non, la souris. Oh. C'est ça. Voilà. Je vais faire. Hop! Déjà, ça, c'est fait. Et du coup, bah ça, je vais pas m'en kikiner, hein. Je vais faire continuer comme ça. Bon, les toits, hein, c'est à peu près correct. Oh, comment je vais faire? Déjà, je vais enlever le mode du dessus, là. Là, ça va me perturber beaucoup, hein. Oh la vache! Oh la vache, ça va être compliqué. Je vais où là? Oh putain. Ah! Ok. Ok. C'est clairement compliqué dans ce sens-là. On va essayer de faire comme ça. On va juste essayer, j'ai dit. Hop, hop. Non, je suis pas très mobile, hein. Vous m'en voudrez pas. Là, c'est déjà assez compliqué comme ça. Non, j'ai réussi à faire la. Oh, j'ai réussi à faire la même taille. Attendez, je sais plus comment on fait. Au secours! Eh, c'est où? C'est là? Ok. C'est. Ah! Oh! Non! Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé la musique. Oh! Ah, c'est horrible! J'arrive pas à savoir où je suis. Qu'est-ce que je veux faire? Ça, je suis dans la. Là, ouais, ici c'est la chambre. Oh mon Dieu, cette vidéo va prendre tellement de temps. Est-ce que j'essaye de faire. Non, c'est celui-là. La même hauteur. Oh la vache. Fichtre. Ah mais ah, du coup, je pense qu'il faut que. Je continue. Ah ouais, c'est ça. Oh là. Oh. Oh, ah. Oh, je dirais que je suis bourrée, quoi, mais. Mais non, mais non, mais non, je ne suis pas Bérou. Je ne suis pas Bérou, je ne suis pas Rebou. Ah! Mon Dieu. Ah oui, comme ça c'est mieux. Mais là. Pff. Non, en fait. Oh la vache! Je pense que je me suis compliqué la vie. En fait, je dois supprimer ça et je vais mettre ça. Que je vais copier et mettre là. Voilà. Parce que je vous explique que. Quand je mettrai le toit que je veux. Et ben à la bonne avec le toit en vert, ça se fera tout seul. J'espère. Non, il doit être un peu plus bas, je crois. Il n'arrive pas. Ah, je suis partie où? Oh, secours! Là, ici. Oh. Ah. Oui. Oui. Et celui-là, je le baisse. Un petit peu. Est-ce qu'on est bon? On est bon! On est bon! J'ai fait le toit. Alors maintenant, texture de toit. Oui. Lui? Ben non! Ah ben c'est pas celui-là que je. Ah, attendez. Déjà, lui? Voilà. Est-ce que c'est pas mieux de faire comme ça? Attendez.
Ah, pourquoi la difficulté? Je ne sais pas. Je me pourris la vie. Ah, mais aussi comme ça. Ah, attendez. Oh! Ah, on va dire qu'on va faire ça. Hein. C'est parce que, ouais. Donc, c'est soit je le fais en entier, mais je. Là, je me complique de ouf. Ah, ça me perturbe tellement que ce toit tout inversé. C'est, j'arrive pas à me diriger. C'est un truc de malade. Voilà. Tac. Hop. Hop. Ah, mais attendez, alors c'est celui-là. C'est celui-là que je veux réduire aussi, madame. En fait, il y a un toit qui s'est fait la malle. Attendez, je vais le bouger. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes qui, monsieur? C'est un toit transparent. Ah. 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 Voilà. Celui-là, il sera comme ça. Vas-y. Ouais. Et il y en a un autre. C'est la flèche. Ouf. Ouf. Non, il n'y en a plus là? Mais si. Tiens, tu veux venir, toi? Non. Hop. Parce qu'en fait. La vache! J'arrive tellement pas à me diriger, c'est un truc de fou! Oui, non, j'avais oublié cette histoire d'inversion. Hein. À chaque fois, on en revient à la même chose. Hein. Mais. Ouais. Toi, toi. Et si je t'agrandis? Ah oui, d'accord, tu vas être très, 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 très haut. Ouais, mais non, il faut pas. En fait, c'est soit je fais un pan en entier. Je sais pas trop comment je vais faire, en fait. Donc, vous savez quoi? Je vais pas le faire. Ah non mais là, ça me... Voilà. Hop. Par là. Ah, je suis dans le bon sens en plus. Donc, Ok! Le toit est fait. Le toit est fait. Ah non, c'est bon, je suis déjà en flèche. Oh là là, là là. Hop. Ok. Bon, tiens, on va utiliser... Ah oui. Les flèches sont comme ça. Bon. Non. Alors, oui. Ah oh, putain. On est toujours comme... Ah oui, non, je voulais en... j'ai cru que j'avais enlevé ça. Oui, voilà. Oh, mon Dieu, c'est encore pire que ce... Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, pardon. Ah non, ça, c'est le devant. Oh là là. Alors, on va... Le toit est excessivement haut, je m'en rends compte. Mais franchement, c'est chaud. C'est très chaud. Attendez, on va supprimer. Et on va dire d'aller jusque-là. Hein. Ouais. Est-ce que je peux pas les baisser quand même? D'un bon niveau. Hop. Non. Juste relever. Oui. On va y arriver. Ah. Oui. Et toi? Ah, t'es où? T'es là. Encore un petit peu. Ah oui. Oui, c'est normal, c'est pas de la même largeur. Oh la putain, ce que c'est moi. J'ai la tête qui part directement dans l'autre sens aussi, je préfère vous le dire. Parce que ce n'est pas logique de voir à l'envers comme ça. C'est. Ouais, j'ai encore arrêté la musique. Oh putain, c'est pas vrai. Oh les flèches, les flèches, les flèches, au secours! Oh mon Dieu. Non, comme ça. Ah. Voilà. Alors. Là. Ok. On est parti. On va mettre une porte d'entrée. Ouf. Alors, on va mettre une porte comme ça. Quel style va-t-on donner à cette maison? Un truc simple, non? On va pas se compliquer la vie. Allez, on va se mettre une jolie petite porte blanche. Le séjour, il est là. Je vais mettre la porte là. On va mettre des fenêtres. Oh my god. Oh là là. Peut-être découvrir des nouvelles fenêtres, hein. Ah oui, c'est comme ça.
Non, j'ai l'impression. Je descends. Mais ça me fait monter. Non, ça me fait descendre. Non, je sais plus. Là, je confuse. Ah, c'est super. Ah, ces fenêtres-là sont super. Non. Ah, j'ai pas augmenté la taille des murs. Vlut. Ça va être pour la chambre. Oh! Ah! Et ça va être pour le séjour. Ok. Je déteste. Ah, c'était comme ça que je voulais faire. Comme ça. Là, on est dans la chambre. On va mettre une fenêtre. Deux fenêtres. Là, il n'y en a pas besoin. C'est la salle de bain. Non, c'est comme ça que je veux aller. Non, pas, non, comme ça. Non, comme ça. Et ça, on est sur le séjour. On va en mettre une là. Mais non! Ah oui, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Bah, ça y est, je commence déjà à faire nawak. C'est pas là que je voulais la mettre. C'est pas grave, on va tourner dans ce sens-là. Oui, je préfère. Une là. Une là. Et une là. On va prendre la flèche. On va faire ça comme ça. Tac! Par là. Ok. Ok. Fenêtre posée. Quelle mignonne petite fenêtre rounette. Non, j'aime pas. Celle-là, elle est très bien. On va même pas changer la couleur. Si, il faut. Merde. Couleur. 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 Ok. Ok. C'est bien ça. Oh! Oh là là là, il faut dire que je meuble tout le reste. Et on est à combien de minutes? J'en sais rien. 16 minutes! Mais je vous plains, vous avez vraiment du courage. Peut-être que je mettrai d'accélérer, je sais pas. Là, ça. Ouf. Là, c'est pas possible! Oh mon Dieu! Reviens! C'est horrible, ça me. Mon Dieu. Pour enlever les toits, on baisse d'un niveau. Ok! Je vais enlever la grille parce que c'est pas jojo. Ouf. Ah, franchement, moi je dis pour commencer, je vais faire ça. J'ai cliqué. Non mais je clique en fait avec l'autre bouton de la souris, donc en fait ça m'aide pas du tout. Ah là je me retrouve mieux dans ma maison. Hein. Ça me. C'est très très grand en fait. Je me rends compte que le séjour est immense. Bon, bah, c'est pas grave, ce sera tant mieux. Waouh, alors c'est ici. Ok. Non, on va faire les sols. Oh là là, oh. C'est très approximatif, c'est ici. Franchement, je vais pas choisir la complicado, hein, moi je vous le dis, hein. Ah, peut-être celui-là. Est-ce que c'est joli? Oui! Allez hop, on va mettre partout. Voilà. C'est pas compliqué. On va mettre du carrelage pour celui-là. Non, celui-là en blanc, c'est très bien. Mais en fait, elles sont immenses, ces pièces. Ok, on a déjà fait le sol, c'est déjà bien. Peinture? Revêtement, j'ai pas fait l'extérieur. Eh ben grave. On va dire que c'est une chambre. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Est-ce que c'est beau ça? Ouais, allez, c'est neutre. On va mettre du carrelage. Du carrelage. Bicolore! Dans la chatte de bain. Non, c'est moche, je l'aime pas celui-là. Qu'est-ce que c'est ça? Ok. Et puis on va te mettre là aussi, parce que franchement j'ai la flemme là. Et dans le salon, salle à manger. Oh, c'est immense. Petit papier ping. Non, pas papier ping. On va faire de la peinture. Oh, de la peinture, de la peinture. Oh, essence de pastel. Bon, franchement, t'as vu la gueule de ton pastel. On va faire du tout gris. Je vous dis du tout gris. Ouais, allez, au moins c'est ça de fait. Merde, merde. Revêtement. Ça c'est pour dehors. Oui. Oui. Oui.
Non. Hop. Oh putain, j'avais oublié que c'était dans ce sens-là. Secours! Tu peux mettre des trucs comme ça. On dirait des tuiles. C'est des bords arrondis. Ok. Non, on va rester dans quelque chose de simple. C'est moche ça. Si c'est moche, c'est parfait, non? Non, c'est vraiment très très laid. Ça, c'est pas mal. Allez. On va faire une petite maison. Merde. Ok, ça y est, elle est toute machin. Faut pas oublier les toits. Alors, hop et hop. Non, en fait, je clique pas avec le bon bouton, quoi. Vous imaginez? Je me suis inversée moi-même dans la tête la souris alors qu'elle l'est pas. Je pense que le cerveau doit faire des... Lui-même, il doit se créer des trucs. Ah, mais attendez, c'est pas beau? Ben non, moi, il me faudrait juste des barres d'eau, en fait. Ouais, on va faire ça comme ça, c'est bien mieux. De l'autre côté aussi. Comme ça. Bon, c'est pas la même taille, hein, on se dira. C'est pas, on s'en fout. Allez, commencez pas à critiquer. Faites-le, après on verra. Et puis ça, plutôt. Voilà. Ok, on va commencer à meubler. Oh, oh là là. Tac. Ah, voilà, je m'y retrouve un peu. On va commencer à meubler. Alors, chambre. Lit. Ah, voilà, un lit comme ça. Putain, c'est chaud. Ça, c'est fait. Je vais juste mettre les meubles. Pour ce qui est de la couleur, on va voir ça après. De toute façon, j'ai pas mis BM Move Object. Ok. La petite palette. Ah, c'est joli comme ça. Un blanc. Wow. 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 Non, mais je misclic en fait. Je fais pas le bon clic. C'est grave. Petite commode. Celle-là. Oui. Oh. Non, si je vais pas dans le bon sens, on va pas y arriver. Oh, God, merci. Mais non. Elle peut pas être d'une autre couleur, hein. Non. Ok. Ça. Ok. Et petite lampe. Pouh, la vache. Oh, godness. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, no, my... It's no possible. Oh my fucking god. That's not nice! Avec le bébé mouche objet, je serai un peu plus heureuse, je pense, pour cette construction. De la mort. Voilà, on va enchaîner. Vous allez voir ça un peu en accéléré, sinon je n'en sors pas.
on va dire que c'est fini pour la maison. Je vous avoue que j'ai un peu la gerbe et j'ai hâte de voir de quoi il retourne. Et on va faire la visite de la maison en mode normal, voir si j'ai réussi ou pas. Et on vous fait retour tout de suite. Et nous voilà cette fois-ci en mode normal dans le bon sens. Je peux vous dire que ça me fait bien fou parce que là j'ai un peu la gerbe et je me rends compte que cette maison est absolument super grande en fait, hein, on va pas se mentir, j'ai vu super grand. Donc on va aller la visiter en mode normal, c'est le haut est strictement hideux, on va pas se mentir. Allez, on se met en mode caméra tap et je suis partie pour la visite. Alors déjà, je tiens à dire que non seulement le haut du toit est dégueulasse et la boîte aux lettres est pas du tout bien placée, c'est pas grave, on va rentrer dans le salon. Et nous voilà dans la maison, donc on arrive dans cette petite entrée avec le petit salon. Alors je me suis chié dessus hein, pour le salon, j'avoue que je sais que, oh on va se prendre les lampes, que c'est pas terrible du tout au niveau des couleurs, j'ai pas réussi à trouver ce qu'il me fallait et puis forcément j'avais envie d'avancer rapidement donc j'ai un peu chié dans le pâté. Mais somme toute il est mignonné, cosy, séparé avec les petites bougies, c'est mignon. Ce tapis, en fait, je l'adore et je trouvais pas quelque chose avec des couleurs, donc il y a ça. C'est quand même pas GG. Le petit coin bureau bibliothèque. Le coin, il manque tellement de déco. Le coin salle à manger cuisine. Ah oui, franchement, il manque quand même beaucoup de décoration, mais là, c'est tellement hard de faire à l'envers comme ça. C'est vrai que les plafonds sont bas et je fais jamais les plafonds si bas. Les fenêtres, c'est pas du meilleur choix non plus, puisque tout est caché. On va aller regarder dans la chambre tout de suite. Bon, elle est vivable au moins, cette petite maison, c'est déjà ça. La chambre, elle est mignonne. On va pas se mentir, elle est mignonne tout plein. Ouais, franchement, ça va, les couleurs sont bien, ça semble bien. Elle donne envie, ouais, le petit miroir, tout ça, non, elle est mignonne. On va pas se mentir, elle est très sympa. On va passer au petit enclos salle d'eau, salle et toilette. Les toilettes. Le couloir toilette, hein, on va pas se mentir. Il n'y a pas de fenêtre, il y a juste un putain de néon qui lui crame les yeux et puis c'est un peu flippant. C'est les toilettes un peu flippantes. Et la salle de bain, elle est quand même super sympa. Ah ouais. Je fais rarement des trucs comme ça avec les plans de travail et les deux éviers avec le miroir au-dessus. Je fais rarement douche et baignoire. C'est soit une douche baignoire d'un coup ou que douche. Je fais jamais les deux. Et bon, il manque cruellement de décoration, mais c'est hyper sympa. Et la lampe, la petite plante fait tout. Non, franchement, les couleurs s'accordent bien et tout. Non, ça va. Je trouve que ça va. Et le toit. Le toit pour voir pour avoir de la lumière et tout, c'est plutôt mignon. Bon, ça c'est juste moche. Je ne l'ai pas vu, je l'avoue. Voilà pour la visite de ma maison en écran inversé. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like. Je suis désolée si je vous ai donné le tournis ou la gerbe. J'espère que ça ira. En tout cas, moi, je vais aller me reposer 5 minutes parce que c'est compliqué quand même. Je pense que ouais, mon cerveau, au bout d'un moment, s'habituait et commençait à fonctionner dans l'autre sens. Là, j'ai remis l'écran dans le bon sens. Ma main continuait à aller dans l'autre sens pour faire ce que je voulais. Parce qu'au bout d'un moment, il s'habitue. Comme quoi, le cerveau est fantastique. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous remercie de m'avoir regardé pour cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Allez, salut !